Salut les pilotes, c'est Atalarch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de bicorde et de tricorde. Alors je sais que ça peut... Pour certaines personnes, il y en a qui connaissent peut-être pas, il y en a qui connaissent, mais ça leur paraît compliqué. Je vous rassure, au final, c'est assez simple. Vous le faites déjà sans vous en rendre compte. C'est une notion qu'il faut juste un peu comprendre. Et je vais vous donner quelques petits trucs aussi pour l'améliorer dans certains cas de figure. J'avais dit lors de ma dernière vidéo sur le virage à 45 degrés que j'allais en parler dans la suivante. Au final, j'ai fait d'abord la vidéo sur le close combat. Voilà, je fais un peu ça au gré de mes envies parfois. Mais voilà, la vidéo sur le tricorde et le bicorde. Alors... Avant d'expliquer ce que c'est exactement, je voudrais refaire un petit rappel. Vous savez que dans Artisan, on parle de CDOF, SixDOF, hein, donc Six Direction of Flight. Donc pour moi, je pense qu'on va les scinder différemment. On ne va pas dire 6 directions. Je pense qu'on va faire, 3 et 3 en fait. Pour moi, en fait, dans Artisan, on a 3 axes et 3 directions. Parce qu'on va les séparer un petit peu, on va les voir un peu différemment. C'est-à-dire que les axes, c'est un peu ce qu'on a comme dans un avion, c'est-à-dire qu'on a le pitch, le yaw et le roll. Mais si vous remarquez bien, comment dire, ces trois axes ne font pas changer la trajectoire de mon vaisseau, d'accord? Ils ne font que de l'inclinaison au final. Ma distance par rapport à la station reste toujours la même, je ne me déplace pas dans l'espace, je ne fais que faire pivoter mon vaisseau dans une direction, d'accord? Tandis que les trois autres, qui sont les strafes, eux vont appliquer un changement de position dans l'espace, un déplacement. C'est-à-dire que si je strafe forward, j'avance vers la station, backward, je recule, je strafe haut, je monte, je descends, hein, droite et gauche, d'accord? Et c'est pour ça que je veux vraiment que vous fassiez la distinction entre ces trois et trois directions of flight, comme on veut dire. Donc moi j'ai envie de dire trois directions et trois axes, hein, parce que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est là on atteint quand même les limites de la simulation dans Star Citizen, parce que quand vous faites un changement d'axe et pas de direction, vu qu'on est dans l'espace et qu'il n'y a pas de frottement, théoriquement, rien que le fait de faire ça devrait faire bouger votre vaisseau dans l'espace. Alors on pourrait dire, ok, le mode couplé... va empêcher de le faire parce que c'est un petit peu à ça que sert le mode couplé au final. Mais si je découple et que je fais ça, vous voyez que ma vitesse ne change pas, donc je ne me déplace pas dans l'espace. Donc en fait, il y a comme un pseudo mode couplé entre guillemets quand je découple, qui fait que là je fais des impulsions de réacteur pour faire incliner mon vaisseau, qui devrait normalement quand même me faire, à mon avis, au départ un peu reculer, un peu descendre, hein, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans l'espace. Mais ça ne le fait pas, donc là si AJ n'est pas allé si loin dans le mode simulation, voilà, on va pas pousser non plus, hein, je vois pas trop l'intérêt quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Voilà, une fois qu'on a bien compris ça, parce que forcément, pour parler de bicorde et tricorde, il va falloir faire la distinction entre ces axes. Parce que par exemple, quand je vous disais de faire le virage à 45 degrés, ben en fait là déjà vous faites du bicorde. Je vous invite à aller revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue ou si vous en souvenez pas bien, parce que c'est vraiment lié et vous comprendrez mieux. Mais je vous avais expliqué que quand vous tournez sur le yaw ou uniquement le pitch pour faire demi-tour, vous êtes beaucoup moins efficace que de faire un mélange des deux, yaw pitch. C'est pour ça qu'on parle de virage à 45. Mais ça, les amis, c'est déjà du bicorde en fait. Voilà, et je pense que grâce à ça, vous avez compris le principe de base, qui est qu'en fait, il faut utiliser plusieurs groupes de propulseurs pour un même mouvement pour aller plus vite, d'accord? Donc si je veux faire demi-tour, j'utilise... les propulseurs qui sont sous mon vaisseau et ceux qui sont sur la droite pour faire un mélange de yaw gauche et de pitch haut, d'accord? Et de pitch haut, d'accord? Non, que je raconte. Oui, c'est ça, pardon, de yaw gauche et de pitch haut. Et la combinaison de tous ces propulseurs va faire que je vais tourner plus vite. Mais ça, déjà, c'est du bicorde. Alors, réellement, quand vous faites demi-tour, vous êtes aussi en train, certainement, d'avancer ou de reculer. Donc déjà, vous faites du tricorde. Parce que du tricorde, en fait, c'est le fait d'utiliser 3 groupes de propulseurs, d'accord? Donc c'est ça, en fait, bicorde, tricorde. C'est soit vous utilisez 2 groupes pour du bicorde, soit 3 groupes pour du tricorde. Donc là... Pardon, je voulais pas zoomer. Je vais y arriver, voilà. Donc là, si j'avance vers la station, en fait, je fais du... entre guillemets, du unicorde. Je ne sais pas s'il y a un nom, mais soit. Si je avance vers la station et que je monte un peu, je fais du bicorde, d'accord? Et si j'avance vers la station, que je monte et qu'en plus je me dépasse vers la gauche, je fais du tricorde. Donc ça déjà, c'est ça la notion de bicorde-tricorde, d'accord? Donc je voulais... Ouais, si vous avez bien compris ça, on va pouvoir passer à la suite. Alors si je vous ai expliqué tout ça, c'est parce que... Et je vais encore revenir sur cette vidéo du virage à 45 degrés, parce que c'est vraiment une base. Le problème du virage à 45 degrés, c'est que je n'ai aucun moyen de vous prouver que je tourne plus vite. Hormis peut-être de faire avec un chrono, avec un point de repère, etc. Mais on n'a aucune vision sur la HUD de l'intensité de ce virage, d'accord? C'est juste visuel en fait, visuel, ou alors il faudrait calculer un temps, d'accord?
Par contre, et ça, c'est ce qui concerne, c'est parce que ça concerne en fait du bicorps sur des axes qui ne sont que des axes de direction, comme on expliquait tout à l'heure, qui sont le yaw et le pitch. Donc je fais que m'orienter dans l'espace, mais je ne change pas ma position dans l'espace, d'accord? Et donc du coup, je n'ai aucune indication de l'intensité de ce bicorps, de ce tricorne. Par contre, si on le fait sur les axes de déplacement, donc sur les strafes, forward, backward, straf haut, bas, gauche, droite, etc., on a l'indicateur de G qui me donne comment dire les G ressentis, donc c'est-à-dire l'accélération de mon vaisseau. Donc l'accélération, c'est exactement ce qu'on cherche, hein. On cherche à avoir plus d'accélération pour tourner plus court ou pour se déplacer plus rapidement d'un point à un autre, en tout cas accélérer le temps d'accélération d'un point à un autre. D'accord, j'espère que c'est clair. Et donc voilà, j'ai bien expliqué le bicorticorps, vous avez compris l'avantage, mais une des façons pour lesquelles qui est le plus simple pour tricorder, même si théoriquement vous allez le faire tout le temps, c'est pour par exemple chasser un vaisseau. Par exemple, il y a un vaisseau qui va faire sûrement pareil, ou alors il va pas justement faire un tricorde, mais il va partir tout droit pour éviter que vous le tiriez dessus, pour aller charger ses shields. Là, ça arrive tout le temps, je crois que vous connaissez ça. Si la personne s'est déjà tricordée, vous avez peu de chances de pouvoir le rattraper, mais par contre, s'il tricorde pas et que vous tricordez, vous allez le rattraper. Et ça, c'est un des points, pour moi le plus simple à expliquer dans quelle situation on va utiliser le tricorde, bien que je vous rappelle, on va l'utiliser vraiment tout le temps, et normalement vous le faites déjà. Donc imaginons que je veux me déplacer vers, on va essayer de prendre quelque chose de gros où j'ai... Oui, on va prendre la lune par exemple, on va prendre la lune, voilà. Donc là, la lune, c'est le gars que je suis en train de partir, d'attaquer, qui part d'un coup dans une direction pour m'éviter, donc qui fuit, d'accord. Et il fuit vers la lune, donc moi forcément je vais vers la lune aussi, d'accord. Donc si je fais de l'unicorde, désolé pour le terme, je pense qu'il n'existe pas, mais je vais le garder, c'est pratique. C'est-à-dire que je vais faire uniquement du strafe forward. Vous voyez dans mon indicateur de G que je suis à 11,5G, quelque chose comme ça, d'accord. Qui est la vitesse d'accélération forward du Gladius, normal, ok. Alors deuxième solution, je pourrais aussi booster pour accélérer plus vite. Donc si je le fais en boostant, on voit que je monte à 13,7G. Donc je suis déjà allé nettement plus vite dans mon accélération, ok. Et maintenant, si on revient sur ce concept de bicord, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'utilise un de mes autres groupes de propulseurs pour aller dans cette direction-là, hein, qui est la direction de la Lune. Alors, je pourrais le faire soit avec mes strafes latéraux, mais vous savez que si vous suivez mes vidéos et que vous connaissez Gladius et la plupart des vaisseaux, d'ailleurs, je crois que c'est tous comme ça, le strafe haut est plus puissant. Donc, il faudrait que je fasse un mélange de strafe forward et de strafe haut. Donc, ça veut dire que, en fait, je vais devoir me mettre un peu comme un hélicoptère. Je vais me mettre comme ça. Pour que j'essaierai de vous faire un graphisme, je vais essayer, je vais voir si j'ai le temps et j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je vous mettrai un petit graphisme dans cette partie de la vidéo. Et donc c'est la combinaison du strafe forward et du strafe up qui va vous faire aller dans cette direction. Et pour vous diriger, vous allez utiliser comme d'habitude l'indicateur de vélocité, c'est lui qui va vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Alors je vais le faire sans booster dans un premier temps. Voilà, vous voyez que là, je suis monté à 13,8G en le faisant. Alors que si je vais tout droit, je suis à 11,5G. Vous voyez que sans boost, j'ai déjà augmenté de... J'ai pas envie de faire le calcul, mais de plus de 2G, je pense, si j'ai bien vu. D'accord ? Alors si en plus, vous le faites en boostant, regardez, je vais le faire. Vous voyez que je suis monté à 19G. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc je suis passé de 13 à 19G. Rien qu'en faisant en bicordant. Donc en faisant avant... Enfin, les strafes bas et les strafes forward. Donc c'est-à-dire vraiment... comme un hélicoptère. Donc c'est-à-dire que si je vais tout droit, je pousse vers l'arrière, je dois aller tout droit. Si je voulais faire que le strafe haut, je devrais me mettre à la perpendiculaire pour que mon strafe haut m'emmène dans cette direction. Et si je veux faire les deux, je vais me mettre plus ou moins à 45 degrés, sachant que je vais quand même favoriser un peu le strafe forward qui est quand même un peu plus puissant que le strafe haut. Donc moi je vais me mettre plutôt plus ou moins comme ça, je devrais être à 30 degrés, j'en sais rien. Et je vais regarder mon indicateur de vélocité. Voilà, et vous voyez que pareil, je suis monté à 19G. Donc vous voyez, c'est ultra puissant. Et alors la situation parfaite, ce sera de le faire en tricordant, c'est-à-dire que vous allez ajouter en plus un des strafes latéraux. Alors moi je vais m'incliner à gauche, c'est-à-dire que donc là j'utilise le strafe forward, là j'utilise en plus le strafe up, et là je vais rajouter le strafe latéral gauche, et donc je vais pousser, donc normalement on devrait le voir sur mon overlay, oui je regarde s'il fonctionne, il fonctionne, donc je vais pousser comme ceci en fait, voilà.
Et vous voyez que là je suis monté à 14G alors que j'étais tout à l'heure à 13G sans boost en bicordant. En tricordant sans boost, je suis à 14G. Et si je le fais en boostant, je monte à 21,2G. Je crois que c'est le plus haut que je suis monté. Je ne pense pas être déjà monté plus haut. Pour accélérer dans cette direction. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous avez bien compris ce que c'était le tricorde. Très très utile, justement quand vous devez rattraper un ennemi qui fuit. Il faut juste un peu anticiper, trouver par où il va. Et si lui, il tricorde pas, forcément, vous allez le rattraper. C'est comme ça que font souvent les bons joueurs quand vous essayez de fuir pour vous tuer. Simplement, il tricorde et vous pas. Mais pas que dans cette situation, parce que quand vous allez le maîtriser, vous allez... Enfin, moi, je commence à penser à l'utiliser dans des combats rapprochés tournoyants pour faire un changement plus rapide de position. Je le fais pas encore bien, mais j'y travaille en tout cas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, dites-vous que vous êtes déjà, si vous êtes déjà en train de regarder ces vidéos, c'est que vous avez déjà quand même un petit niveau dogfight. Vous êtes déjà de toute façon tout le temps en train de tricorde et de bicorde. C'est la base du jeu. Je pense que vous faites pas ça, puis ça, hein. Ce sera un peu con. Oh là, pardon. Vous allez de toute façon faire ça. Voilà, c'est déjà du bicorde. Et pendant que vous avez fait ça, vous êtes en train d'avancer. Donc en fait, c'est du tricorde. Donc en fait, c'est une notion que vous faites déjà. C'est juste que vous ne saviez pas exactement ce que c'était. Et peut-être comment l'utiliser à votre avantage. Et voilà, cette partie de la vidéo où je vous ai montré le tricorde vers la lune. Je pense que vous avez compris à quoi ça servait. Vous avez peut-être remarqué que moi, je le fais en mode découplé. Parce que le mode découplé permet d'avoir une meilleure précision sur votre indicateur de vélocité et sur vos strafes. Donc moi je préfère le faire en découplé, ça me permet mieux de régler mon indicateur de vélocité. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, qu'on peut pas le faire en couplé, ça marche aussi. Voilà, ça c'est à votre appréciation. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis un joueur plutôt couplé, alors que la plupart des gros joueurs PvP sont en découplé. Voilà, j'ai pas encore, je pense pas m'y mettre. Je vois pas l'intérêt pour le moment, je suis meilleur en couplé, donc je vois pas l'intérêt, mais je découple par moment. Et faire un tricorde pour attraper quelqu'un, c'est un des moments par exemple où je découple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris tout ça. Faites des essais dans l'Arena Commander comme moi j'ai fait, ou peut-être même dans le PU, ce sera plus facile parce que vous n'aurez pas la limite de la map, hein. Vous prenez un point et vous faites un test en regardant chaque fois votre indicateur de vélocité qui va vraiment vous donner la réussite de votre tricorde. Si vous êtes en Gladius comme moi, vous avez vu qu'on montait à 21 avec quelques sur G, hein. C'est le plus haut, pratiquement le plus haut en tout cas, donc vous arrivez à monter à ces G là en gardant bien votre trajectoire alors dans la direction que vous avez décidé, vous maîtrisez le tricorde, chapeau, voilà. Voilà, super, merci d'avoir suivi et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.